بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورد اللهم عن الخلفاء الراشدين Assalamu wa rahmatullahi wa Mes soeurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges Appartiennent tous à Allah Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin L'apparent, le dominant sur toute chose Le subtil, le bien informé Nous le louons, nous revenons vers lui repentant Nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés Et lui se lancer les nombres Et les tendances de l'âme Et l'âme très certainement Ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. J'atteste donc qu'il est Allah et le seul digne d'adoration, sagesse pour laquelle il nous a créés. Je n'ai créé les dînes et les hommes qu'à qu'ils m'adorent, dit-il dans la Surah 51, verset 56. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah, le meilleur homme que la terre a porté, car la bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie et de mourir musulman. Donc bienvenue dans ce jardin, parmi les jardins du paradis, d'un sujet aussi important, la nouvelle série donc, qui s'appelle, que nous avons intitulé plutôt, « Les maladies du cœur » et pour éviter le suspense et prolonger la, la série, nous allons traiter Inch'Allah en même temps les remèdes. Qui parle de maladie parle de remèdes, puisque Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait descendre une maladie sans en faire descendre le remède. Donc, euh, bienvenue dans ce Jardin du paradis en compagnie donc, de, de Karim dans la partie technique, qu'elle a le récompense par le meilleur. Donc, nous avons choisi euh, ce, cette nouvelle série parce que qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, nous sommes tous malades. Il l'a ma Allah, sauf euh, ceux à qui Allah fait miséricorde. Leur maladie est moins grave, je dirais. Leur maladie est moins grave, et, mais néanmoins, nous sommes tous malades. Heureusement que tous les malades ne sont pas dans les hôpitaux. Déjà, comme vous le savez, au moins en France, il y a, les services sont saturés. Et, mais il suffit de se retrouver dans une mosquée, qui est pourtant le meilleur endroit sur la terre, ou qui, qui doit être occupée par les croyants, pour se rendre compte, quand on voit les comportements euh, déviants, quand on voit le comportement des uns et des autres, dans la vie courante, quand euh, quelqu'un comme Youssouf Islam, 47 disait, entre autres, que heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. Quand on voit nos comportements déviants euh, dans nos familles, avec les divorces, hein, avec, euh, dans la rue, avec les intercalations, avec, les, avec euh, les, les querelles dans la rue, partout dans la famille, euh, euh, en couple, euh, on se rend vraiment compte qu'on est malade. Parce que c'est de la maladie. Ce sont des maladies, des maladies essentiellement du cœur. Il ne s'agit pas, bien entendu, des maladies du corps. Les deux types existaient, mais comme le disent les savants, euh, le, le corps tombe malade et il meurt, on le sait, et le cœur également tombe malade et il meurt. Le cœur peut aller jusqu'à mourir, car nous en prie Le cœur ne meurt, j'entends par là, avant la mort, avant la, le décret divin, subhanahu wa ta'ala, qui a destiné « kullu dit Allah, subhanahu wa ta'ala, entre autres dans la surah 3, chaque âme va goûter la mort. Là, il s'agit de l'âme. Quant au cœur, on parle du cœur vivant. C'est-à-dire que le cœur qui se rappelle à Allah, subhanahu wa et le cœur donc, qui a une vie, comme on le verra. Et Allah, d'ailleurs, décrit si joliment cette vie entre la crainte, l'oubli, même la mort. Et donc, dans différents passages qu'on va citer, chère si Allah le veut. Donc, le cœur, comme le corps, T'es malade. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la maladie du cœur. Ce n'est pas une invention. Allah dit, entre autres, très tôt dans le Coran, dans le Mus'haf, euh, selon la descension de l'imam euh, Uthman, ou le calife Othman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala al Allah dit dans le verset 10 de la Surat al-Baqarah, ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Parmi les gens, il y a des gens qui disent donc, nous croyons à Allah et au jour du jugement dernier, mais ils ne sont pas croyants. يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إي croyants ترومبي الله، إلا croyants، في الرياضية، نترومكهم. في قلوبهم مرض. الله يقول، dans leur قلب، إن المرض. فزادهم الله مرضًا، إي الله ليس ست مالادي سوء. Cette maladie croîtra. Voilà et à eux un châtiment avidissant à cause de leur mensonge. Donc là, le cœur tombe malade. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est celui qui a tout créé, celui qui sait tout, le le bien le bienfaiteur, le miséricordieux par essence, par excellence, le sage, l'omniscient, qui a dit que le cœur, dans le cœur de certains, il y a une maladie. Et l'autre verset, comme par exemple, Allah dit aux femmes du Prophète de ne pas avoir un langage complaisant avec les gens. Dans la Surah Al-Ahzab 33, Allah parle donc de Ô vous les femmes du Prophète, vous n'êtes pas comme les autres femmes. Donc, vous n'êtes pas comme les autres femmes si vous craignez. Intakaitou. Si vous êtes croyante, craignant Allah Subhanahu Wa Taala, et donc ne soyez pas trop complaisante dans votre réponse aux gens, dans votre discours, pour que celui qui a une maladie au cœur ne penche pas vers donc ce qu'Allah interdit. Et bien entendu, il est permis et notre Mère Aïcha enseignait était une savante. Et il est permis, bien sûr, d'échanger. On a vu entre Moussa et les deux, à Madiane, le prophète Sallam avait réservé une, une heure aux femmes qui sont venues réclamer leurs droits en lui disant, Ya Rasulallah, tu as, les hommes, ils t'acaparent, donne-nous une heure pendant laquelle nous allons te poser des questions. Et donc, les femmes venaient parler au Prophète Sallam, elles parlaient... Euh, au mari et parler aux compagnons également. Donc, euh, la voix de la femme, d'après l'avis le plus fort, n'est pas, bien entendu, une aura n'est pas interdite. La preuve, c'est que Allah dit aux femmes du Prophète de parler derrière un voile et de ne pas tenir des propos trop complaisants qui pourraient amener donc les gens au cœur malade, de pencher. Allah, dans la même surah, dans le verset 60, parle de la maladie du cœur des hypocrites, ceux qui interpellaient les femmes, les croyantes, à Médine en leur disant, on ne savait pas que vous êtes croyantes Et c'est là que Allah, dans sa sagesse, a révélé l'obligation du, du hijab, de, donc le fait de, que la femme ne doit pas sortir comme, sorte, comme elle sortait du temps de la djahiliya et comme beaucoup le font aujourd'hui. Donc ce sont trois versets ou quatre qui sont dans le Coran, il y en a bien plus, il y en a bien plus, en eux, donc, s'arrêtant que là, c'est l'épreuve, c'est Allah qui donc, parle de maladie du cœur. Quand le corps est malade, ça on le sait tous, la maladie peut être de trois sortes. Une maladie donc, qui peut être l'absence ou la cessation de l'activité physiologique de l'organe, comme par exemple la cécité. C'est l'absence totale. Quelqu'un qui ne voit pas, on appelle ça un aveugle. L'absence totale. Quelqu'un qui est sourd mieux, qui, qui est incapable de s'exprimer, on l'appelle un sourd mieux. Parce qu'en général, quand il est sourd, il est mieux en même temps. Donc ça, c'est l'absence totale. Mais il peut y avoir ça, c'est une maladie, bien entendu. C'est une maladie, j'entends je par là, c'est une anormalité. Pour Allah, bien sûr, c'est normal. Mais pour nous, c'est une situation dans laquelle, est une situation inhabituelle et qui ampute la personne d'une capacité que les autres ont. Il peut avoir une faiblesse dans cette perception. Faiblesse dans cette perception, dans la maladie, quelqu'un par exemple qui voit moins bien, il va avoir l'ophtalmo peut-être, hein? quelqu'un qui est myope, quelqu'un qui, qui a des difficultés à parler, qui est moins éloquent, comme c'est arrivé à Moussa, quand comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé. Ça, c'est une faiblesse dans la fonction. Mais il y a également... Une, une inversion de la fonction, comme quelqu'un qui, à cause du Covid ou autre, n'a plus de perception de goût, ou qui trouve quelque chose d'amère, il va le trouver doux. Et donc, ça, ce sont des maladies du corps. Il y a ces trois types d'Ibn Qayyim, de maladies, c'est-à-dire que, de manifestations plutôt. On appelle tout ça des maladies. Donc, ça peut se traduire par l'absence, ça peut se traduire par la faiblesse, ça peut se traduire également carrément dans la perception, l'inversion de la perception. On comprendra pourquoi, dans la mesure où certains vont trouver du plaisir à désobéir à Allah, ce est qui, est, qui doit les empêcher de dormir, ce qui doit les amener à pleurer, ce qui doit les amener à regretter, ce qui doit les amener à foncer dans les bonnes actions, va les, amener, va les faire plutôt rire et continuer à désobéir à Allah. Subhanahu wa donc, ça, ce sont trois types de manifestations de la maladie. Et ceci est aussi vrai, comme on le verra, Sha'Allah, pour le cœur. Ça, c'est donc pour le corps. Ceci, c'est pour le corps. Pour le cœur, en réalité, qui est le centre, à ne pas oublier, le cœur, comme disait Ibn Qayyim, c'est le roi, qui est installé sur son fauteuil. En effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, <laughs> il y a un morceau de chair dans le corps, s'il est saint, c'est tout le corps qui est saint. Et s'il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu. En effet, ce morceau, c'est le cœur. Où on le situe? Les philosophes ont commencé. Oui, mais c'est le cerveau qui permet de réfléchir. Allah parle de la raison. Où est-ce qu'il est situé? Et le cœur, quand il parle du cœur, est-ce qu'il parle de l'âme? Nous n'allons pas rentrer dans cette philosophie. Parce que Allah nous a avertis de ce que l'on dira, de ce que l'on regardera, on sera interrogé dessus. La vue, lui, et, et le cœur, on sera interrogé dessus. Tout ceci sont des choses sur lesquelles on sera interrogé. Mais ce qui est certain dans le Coran, c'est Allah parle du cœur qui est dans les poitrines. En effet, entre autres preuves, Allah dit dans la surah al-Hajj, surah 22, dans le verset 46, qui va nous intéresser, à plus d'un titre, ⁇ la al-absor Voilà al-kulub al Il dit en réalité, dans ce verset 46 la surah 22, ⁇ En vérité, en réalité, je vous le dis, c'est Allah qui dit la vérité, en réalité... Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, à mais les cœurs qui sont dans les poitrines. Les cœurs qui sont dans les poitrines. Et comme l'a dit le professeur Sallam, il ne parlait pas de lui-même, il a dit, il y a un morceau de chair dans le corps. Et donc, il a dit à dans d'autres versions, la piété, elle est là, la piété, elle est là, la piété, elle est là trois fois en montrant donc sa poitrine. Et cette piété, bien sûr, son siège, c'est le cœur. Donc sans rentrer dans la philosophie, mais le cœur, comment se fait-il que euh, les signaux, on les perçoit d'abord par le cerveau, je ne sais quoi, l'autre, ça c'est c'est que la physiologie nous a montré, les études scientifiques nous ont montré, qu'il y a des influx nerveux, qu'il y a des déclenchements de processus, ne serait-ce que pour la parole, des milliards et des milliards de neurones qui se, qui se mettent grâce à Allah, par l'ordre d'Allah qui se mettent donc en marche pour que l'on puisse parler, pour que l'on puisse même sourire, etc., etc., Mais Allah parle du cœur qui est dans les poitrines. Donc, ce type de cœur, les cœurs plutôt sont nombreux. Les types de cœurs sont nombreux. Le cœur est si important que Allah nous dit dans la sourate 26, les poètes, en verset versets 88 à 89, l'importance du cœur et son état. Allah met dans la bouche d'Ibrahim, alayhi salam, en décrivant le jour du jugement dernier, qu'est-ce qu'il dit Ibrahim Ibrahim dit, alayhi salatu salam, le jour où ni les enfants, ni les biens ne serviront à rien, sauf celui qui rencontre Allah avec un cœur salim. On traduit ça souvent par le cœur saint. Donc la vie éternelle dépend de l'état du cœur. On a dit le cœur c'est ce roi installé sur son trône et qui donne des ordres à ses soldats, à ses généraux, qui répercutent donc ses ordres aux simples soldats. Si le cœur est, le roi est ivre où le roi est inattentif, le roi est ignorant, il est clair que les généraux, on va pas leur demander, ils ne feront qu'exécuter. Donc les généraux, ce sont nos membres, ce sont nos sens qui vont obéir au cœur. Et donc c'est la raison pour laquelle le cœur est important. Et Ibrahim, alayhi salam, c'est Allah qui le fait parler, et ce qu'Allah dit est la vérité, c'est lui qui a tout créé, et au jour du jugement dernier, il a dit, Ibrahim, « Yawma la yanfa'u voilà Il Salim. Ni les biens, ni les enfants ne serviront à quoi que ce soit. Sauf celui qui vient avec un cœur saint. Salim, disent les Arabes, c'est dans le sens de Salim. Hein, C'est-à-dire exemple de. Exempt de. Exempt de quoi Exempt d'association. C'est ce qu'on peut dire en tout cas. À Omar ben Khattab, et avant lui à Abu Bakr Siddiq qu'elle a les agréés tous les deux à Ali également qu'elle a l'agréé on dit donc ce sont les plus savants de cette communauté c'est eux qui disent que Kalbun Salim c'est un, un cœur qui est exempt de quoi d'association exempt d'association qu'est-ce que les savants expliquent c'est que c'est un cœur qui est soumis à Allah c'est un cœur qui connaît Allah c'est un cœur qui suit les ordres d'Allah subhanahu wa taala donc c'est la connaissance c'est la science utile suivie ou traduite par la pratique celui là ce cœur conduit les membres à une obéissance à Allah subhanahu wa taala selon ce qu'il a révélé en effet pour chaque acte nous l'avons peut-être dit samedi dernier pour chaque acte il y aura deux questions pour qui tu l'as fait et comment tu l'as fait Donc la sincérité ne suffit pas. Si tu l'as fait pour autre que Allah, Allah l'accepte pas. Mais si tu l'as fait comme tu veux, et pas selon ce que Allah a aimé, qu'il a révélé aux différents prophètes, notamment à Mohammed, certainement Allah ne l'accepte pas. Les prophètes, disaient Ibn Qayyim, ont été envoyés pour trois raisons. Faire connaître notre Seigneur Subhanahu wa Ta'ala. Comment pourrais-tu connaître Allah et ils le connaissent par le cœur Comment pourrais-tu connaître Allah Sans révélation. Impossible. D'autant plus qu'il est les Rien ne lui ressemble. Oui, rien ne lui ressemble. Avec les attributs qu'il a, il est bien le voyant, parfait, et l'audient, parfait. Donc, la révélation sert à connaître Allah. En même temps, la révélation sert à savoir ce que Allah aime. Comment tu vas savoir ce que Allah aime si Allah ne te le dit pas et enfin, la révélation te dit, te promet le paradis ou le bonheur dans ce monde avant le delà, ou alors mets en garde contre la désobéissance à Allah subhanahu wa taala et personne ne peut supporter son courroux. Donc, calme salim, c'est un cœur qui reçoit la lumière, ou qui reçoit en cette période de sécheresse, qui reçoit la pluie. Et donc, de ces cœurs comme l'a dit le prophète, mon exemple par rapport au message que j'ai apporté, c'est comme l'eau qui descend sur trois types de terre, on dirait sur trois types de cœurs. La révélation, quand elle est transmise et fidèlement transmise par les prophètes, sans exception, elle reçoit trois types de réponses. Il a dit il a un terrain qui est fertile, qui reçoit donc de l'eau qu'il absorbe sans inondation et qui va faire sortir des plantes et des fruits dont les gens vont profiter les animaux également. Car c'est le cœur salim, C'est ce cœur-là qui sera heureux dans ce bon monde, hein, qui va s'évertuer à aimer les autres et à les servir, telle une terre, un verger, potager, un verger ou une terre fertile qui va donner les gens sont contents d'y aller, les gens sont contents, ils absorbent, ce qu'ils absorbent et ils restent toujours au contraire. Et là le ce cœur est aime. Allah aime que les gens aiment Allah et ce cœur est donne pour Allah parce qu'il est inspiré par Allah. Il s'est complètement soumis à Allah. Et ce type de cœur comme disait comme disent plutôt les gens de science, hein, il obéit au premier verset de la sourate 49. الهجرات الذي في سورة 49 يا يا أيها الذين آمنوا أوبل كرويان لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم les croyants, ne dévancez pas le message الله est son لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ne dévancez pas الله ني dans le dogme ني dans les actes Ni par la langue, et encore moins par le cœur. C'est-à-dire, puiser à la source pure qui est la révélation. Et n'allez pas philosopher, n'allez pas chercher à gauche, à droite, mon cheikh a dit, mes parents ils ont dit, les grands-parents ils ont dit, les ancêtres ils faisaient. Non. Là, tu N'anticipez pas. La parole d'Allah est son messager. En essayant d'interpréter autrement, Allah a révélé et sa révélation est, est complète. Et avant qu'il ne révèle, ne demandez pas, attendez qu'Allah révèle Subhanahu wa Ta'ala dans sa sagesse et dans sa miséricorde. Donc, toute chose qui est contraire à la révélation traduit quoi Une maladie du cœur et quelle maladie Le cœur, pour qu'il ne soit pas malade, a besoin de d'informations, de connaissances. De connaissances, qui est donc amené par le messager, c'est pas la cardiologie qui va parler d'arrêt cardiaque, qui va parler d'attaque, qui va parler de maladie du cœur, mais d'un produit physiologique. Mais là, nous parlons de maladie du cœur en rapport avec la révélation. Et donc, le verset 49, verset 1 de la Sourate 49, va concerner tout un chacun, chacun d'entre nous. Quand tu ne sais pas, tu demandes. Et quand tu sais, donc ça c'est la deuxième catégorie de maladie, c'est la maladie de, de la faiblesse de volonté. Il y a ceux qui savent et qui ne font pas. C'est maghdoubi alayhim. On revient toujours à la sourate al-Fatiha. Ghayril maghdoubi alayhim. Allah guide nous dans le chemin droit, lequel, lequel est le chemin de ce que tu as agréé, non de ce Non celui des gens qui ont encouru colère. Qui sont-ils Eux, ils connaissent. Ils connaissent, mais ils ne mettent pas en pratique parce qu'ils manquent une volonté. Le cœur, il est malade. La volonté est corrompue. Ou alors, et pas les égarer, c'est-à-dire, ils manquent la connaissance. Ils font, il y a une volonté de faire. Il y en a qui se sont retirés du monde. Il y en a qui ont décidé de ne pas se marier. Il y en a qui ont décidé, comme les trois qui sont venus voir les femmes du professeur Salam, en disant, que fait le prophète sallam il, il y a les, les femmes du prophète, nos mères, elles ont dit: Il dort, et il se lève la nuit pour prier, il mange et il jeûne parfois, et il est marié. Donc, l'extrémisme, la raison, Satan poussant les gens, on veut bien faire, parfois beaucoup plus que les pieux. On dit que les Khawarish, les ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes que le professeur Salama a qualifié de chiens de l'enfer que Dieu nous a préda, pourtant ils sont musulmans, qui font sortir les gens de l'islam, qui font des attentats à gauche, à droite dans les pays musulmans, en dehors des pays musulmans, ceux-là, leurs ancêtres. On disait qu'ils ont combattu les compagnons du professeur Allah parce qu'ils ont dit qu'on ne doit obéir qu'à Allah. Et pour, pourquoi Ali, qu'elle a et Muawiya, ils ont accepté que des gens viennent trancher les différents. Alors que inil le hukm, il Le jugement n'appartient qu'à Allah. Comment se fait-il qu'ils vont accepter que, puisque pendant la bataille de Siffin, la grande fitna, historiquement la plus grande sédition qui a opposé les compagnons du professeur entre eux quand la guerre a fait rage ils ont proposé donc deux sages de chacun des groupes qui vont discuter pour voir qui a raison dans cette affaire, ils ont dit non c'est Allah seul qui doit décider mais ils ne connaissent pas bien entendu Ibn Abbas Karalagre il l'histoire serait belle, les belles et les langues a rappelé certains ignorants parce qu'ils sont généralement subis par les ignorants. En sachant que quand il y a les différents, qu'est-ce qu'on fait Dans la Surah 4, hein, les femmes, verset 34, quand on va arriver jusqu'au divorce, Allah dit appeler Hakaman, un juge de la famille de la femme, un juge de la famille de l'homme, pour qu'ils tranche. Ils discutent entre eux. Mais c'est Allah qui invite à ça, entre autres. Et donc on ne peut pas, par, par ignorance, certains veulent bien faire, mais ils ne savent pas. Et bien entendu, ils font des dégâts. Donc, ces trois compagnons, c'était des compagnons pourtant, voulaient bien faire. Et ils ont demandé aux femmes du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam. Et ils ont, ils ont considéré que les pratiques du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam lui-même étaient des pratiques qui étaient de moindre importance, qui n'étaient pas importantes. Il y a un qui dit Moi je jure. Mais ça, c'est parce que Dieu lui a donné des réductions. puisque Allah dit dans, la, dans le verset 1 de la Sourate 48. Afin que Allah, on t'accorde cette victoire, afin que Allah te pardonne tes erreurs venues, tes erreurs passées et les, les erreurs à venir. Ils ont dit, mais ça, c'est une réduction, puisque son Seigneur, lui, pardonne, il a, lui a déjà pardonné ses péchés. Quant à nous, un qui dit, moi, je ne mangerai plus jamais dans la journée. Je ne mangerai plus jamais. Je vais jeûner tous les jours. Or le prophète nous a dit, celui qui jeûne, il est interdit de jeûner tous les jours, celui qui jeûne tous les jours n'a pas jeûné. C'est-à-dire, Allah n'accepte pas. Nous ne sommes pas des anges. Et même il a interdit, et Allah nous a incité à, on a vu dans la série pendant le Ramadan, nous a incité à rompre tôt le jeûne et à retarder le début du jeûne. Il a dit... Ma communauté restera dans la bonne voie ou dans la droite voie tant qu'elle va se précipiter pour rompre le jeûne, tant qu'elle va retarder le début du jeûne. Allah a ordonné à nous les prophètes, disait le prophète, trois choses c'est de retarder le début du jeûne, le souhur, de d'avancer, ou plutôt de se précipiter pour rompre, bien entendu, quand le soleil est couché et de mettre la droite sur la gauche dans la prière. Allah est miséricordieux. C'est lui qui sait, c'est lui qui a créé. Et donc cela, cela veut dire qu'on ne peut pas s'imposer des choses que Allah n'a pas imposées. Personne n'a dit le Prophète Sam, c'est imposer des choses que Allah n'a pas imposées dans la religion d'Allah, c'est-à-dire l'islam, sans que la religion ne le casse. Combien de gens... On commençait à prier, à jeûner, à ceci et cela tout le temps. Et finalement, on ne les voyait plus. Ils ont quitté la religion, malheureusement. Donc ce cœur, c'est quoi C'est accepter. Nous avons entendu, nous avons obéi. C'est ce qui a fait la gloire et l'honneur qu'Allah a accordé aux meilleurs d'entre nous. Parmi les, ceux qui viennent après les prophètes, les décrire Et je pense à Abu Bakr. Une chose vient d'Allah, il l'absorbe automatiquement. Parce que le cœur est sain. Il ne va pas chercher ni à droite ni à gauche. Parce que les deux maladies du cœur, c'est le manque de connaissances, ce qu'on appelle les shubohat. On a des doutes, des ambiguïtés dans la religion. Comment Allah est Comment Allah fait Ce sont des questions qui ne se posent pas à un croyant. Ce sont les choubouhats. Vous vous rappelez certainement ce qui qu a honoré Abou Bakr après. Allah l'a invité au-dessus de sept cieux, a invité Mohammed Sassan au-dessus de sept cieux. Quand on est venu le voir en disant, notre, homme, celui qui prétend être prophète, voilà ce qu'il prétend. Il dit qu'hier soir il a quitté la Mecque, il est passé par Jérusalem, il est revenu à la Mecque et en une nuit, ils étaient étonnés. Qu'est-ce qu'Abu Bakr a dit Si il l'a dit, c'est que c'est vrai. Voilà le cœur sain. S'il a dit, c'est que c'est vrai. Matin et soir, alors qu'il est parmi nous. Il reçoit des révélations du ciel. Aller au ciel, au-dessus du septième ciel, rencontrer Allah et revenir en un clin d'œil, c'est facile à Allah. S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Et là, l'histoire a prouvé, plutôt Allah l'a prouvé au travers de ce qui s'est passé entre les caravanes, entre Jérusalem et la Mecque et tout le reste qu'il a décrit, qu'il a vu les prophètes que Dieu les bénisse, il a vu les gens qui sont châtillés, il a vu le paradis, il a vu l'enfer. Là, Réalité a prouvé qu'effectivement il était sincère, Mohammed. Un cœur pur, c'est un cœur exempt de choubouhat, d'ambiguïté. Allah a dit, il est comme ça. Allah s'est décrit, c'est lui qui sait qui il est. Ensuite, sont les prophètes. On va, non, non, ce n'est pas possible. Allah n'a pas voulu dire ça. Sur ses noms et attributs, Allah a dit qu'il rit, comme attribut, comme l'a dit le prophète. Allah rit de deux personnes qui vont venir au jour du jugement dernier. L'un a, dans le djihad, a tué l'autre, et l'autre, celui qui a tué, qui était non-musulman, s'est converti, et il a combattu pour Allah, il a été tué. Les deux vont se prendre par la main, et ils vont rentrer au paradis. Mais c'est comme ici à Sa Majesté. Rien y a, Ton cerveau a été créé. Comment est-ce que tu peux, toi, concevoir Allah lui qui est non créé, le seul, et qui a tout créé, comment est-ce que du créé va maintenant imaginer celui qui a tout créé, qui n a, que personne n'a créé, qui est le premier, qui n'a pas de début, avant lui, il n'y avait rien. Donc cela veut dire quoi Cela veut dire qu'on se doit de se soumettre à la révélation. On n'a pas de jubouhat. Il n'y a pas de comment Allah fait ceci comme celui qui est venu trouver l'imam Malik, ou dans une version son maître Raber, a le fasse tout de miséricorde, ainsi qu'à cas nous savons, en disant, Allah dit dans la surah taha, 20 ar rahman ou al-Arshistawa, le miséricordieux, par essence, s'est élevé au-dessus du trône. Comment il a fait On dit que l'imam Malik, qu'il le fasse miséricorde, il a baissé la tête et il a sué. En entendant ça, cette gravité. Comment tu veux savoir comment Allah est hein? Comment Allah a fait Sur cela, tu ne seras pas interrogé, mais sur ce que tu as dit, tu seras certainement interrogé. Si je n'avais pas posé la question, tu ne serais pas interrogé. On dit qu'il a sué au point qu'on voyait de grosses gouttes de sueur sortir de son, de sa face. Et ensuite, il a levé la tête et il aurait dit... Ça a été répété par les savants dignes de confiance, l'istifa hein. ma'aloum. S'élever, l'élévation est connue dans la langue arabe. Comme on le dit, on va pas aller chercher. Non, mais Dieu a voulu dire que Dieu a parlé, a révélé un livre dans une langue arabe claire. Pour des arabes. Et ensuite pour nous. Soit nous apprenons. Et arabe, lui qui a appris arabe. Le Coran, c'est ce qui est révélé. En arabe, c'est la parole d'Allah. Ce n'est pas une traduction bien que la tradition sert à comprendre, comme le tafsir, même en arabe, sert à comprendre, à, à partir du hadith, à partir d'autres versets, mais le Coran a été révélé en arabe pour des Arabes, et ensuite pour des gens qui apprennent arabe, et ensuite pour les gens qui ont eu cette explication à partir de ce que le professeur Sallam a dit, à partir d'autres versets. Il dit, l'élévation est connue. La foi en l'élévation Ar-Rahman ar Est une obligation Dans sept versets différents Allah parle de cela Dans six autres versets Que dans cette sourate, dans ce, dans ce, dans Taha Allah Dit qu'il a créé les cieux et la terre En six jours Ensuite il s'est élevé au-dessus du trône Entre autres Verset 7 Et en sept surat La surate 10 Yunus. La surat 13 à Arad, la surat 20, la surat 32 à Sajda, la surat 57 à Al-Hadid. Dans, tout dans toutes ces surat, c'est Allah qui l'affirme. Donc une, la foi est obligatoire en ça. Comment est-ce qu'il le fait, le Keifia C'est majhoul. C'est impossible de l'imaginer. Et on rajoute dans une version. Et quant à la question, c'est une bid'ah, c'est une innovation. À quoi ça te servirait de savoir comment Allah fait ceci et cela quand il dit qu'il l'a fait Et donc, ce sont des questions inutiles qui ont amené beaucoup de gens dans des sectes qui vont les amener en enfer quand ils en préservent, puisqu'on sait que ce sont 12 parties de la communauté de Muhammad ce sont 12 parties plutôt qui iront en enfer. Et ce sont 13 parties il y en a qu'une seule qui sera sauvée et il y a 112 sectes en train de parler des choses qui ne leur apportent rien. Le cœur salim, donc c'est celui-là qui n'est pas malade, c'est un cœur qui est pur, c'est un cœur qui est sain. C'est un cœur qui est sain. Et donc notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, je disais que c'est parmi ces trois, des exagérations parce qu'ils ne connaissent pas, ils veulent faire. Ils ne connaissent pas Allah, ils ne connaissent pas la religion. Lundi, moi je ne veux plus jamais manger, je veux jeûner tous les jours. L'autre dit, moi je ne veux pas me marier. Non, le célibat, le vœu de célibat n'existe pas dans l'islam. Ce n'est pas ça la Sunnah. Les prophètes se sont mariés. Et l'autre dit, moi je ne veux plus dormir. Depuis quand Tu es devenu un ange qui ne dorme pas, qui ne mange pas, Allah t'a créé, tu as besoin de ce sommeil pour te reposer. Et donc ça c'est ce que les gens, les gens qui suivent leur, qui ne connaissent pas. Ça, c'est la maladie des gens qui ne connaissent pas et qui le font, qui sont, qui suivent leur, donc Shahawa, shahawat leur passion, leur désir, ça leur paraît bien, ils le font. Ça, ce sont les égards, et carats nous en préserve. Et dans la communauté de Mohammed, comme il y en a eu, comme l'a dit le professeur Sallam. parmi la communauté juive, il y a eu 71 partis, 70 en enfer, une seule sauvée. Parmi la communauté chrétienne, il y en a eu 72 71 en enfer et une seule sauvée, celle qui suivait bien sûr Jésus. Et dans ma communauté, a-t-il dit, 73 parties, dont 72, qui sont en enfer. On dit, mais laquelle est sauvée Il dit, celle qui est ce sur quoi moi je suis. Moi aujourd'hui, moi et mes compagnons. Moi, moi et mes compagnons. Et donc, comme on le verra, Sha'Allah, samedi prochain, le chemin, les provisions de ce chemin droit, on en parlera, Sha'Allah, la semaine prochaine, c'est la révélation. Et donc, il y a les Shubohat, les gens qui se posent la question de savoir comment Dieu est, comment et pourquoi Dieu a fait ceci. Mais pourquoi Dieu Qui es-tu pour te poser la question Qui es-tu pour penser Qui es-tu pour dire Dieu a fait ceci et Dieu a fait cela Donc, il faut savoir que ce Seigneur Subhanahu wa Ta'ala a... Averti de la maladie du cœur, comme on a dit, deux types de maladies des maladies de Shubohat, d'ambiguïté, donc qui sont basées sur le manque de connaissances, et les maladies, ça ce sont les égarés, et les maladies donc de Shahawat, des gens qui suivent leur passion, et en particulier. Qui cherchent le pouvoir, la, les femmes, la notoriété, etc. Ce sont des maladies du cœur dont on va détailler si Allah subhanahu wa taala nous permet de le faire, donc, dans, les, dans les autres épisodes. Ça c'est le cœur sain. Et Allah décrit de la meilleure des façons, bien entendu, l'état du cœur qui varie. On dit que le cœur, al qalb en arabe, on dit bien du fait de taqallub. Le fait que le cœur change hein, entre la joie et la tristesse, hein, entre les passions et ceci et cela, « Donc c'est le fait de changer. C'est pour cela que le meilleur des hommes, c'est celui qui connaissait le mieux, Allah subhanahu wa ta'ala disait souvent « ya al qulub o toi qui qallib les cœurs »« o toi qui renverse les cœurs » On traduit parfois « ou toi qui change les cœurs »« ya muqallibal qulub C'est la même racine Allah décrit donc le cœur de plusieurs façons. Quand il parle par exemple du cœur qui, il invite les croyants. Allah Dans la surah 57 al hadid de verset 16, Allah dit, n'est-il pas venu un moment pour que les croyants, pour que leur cœur s'humilie devant Allah, que le cœur s'humilie donc le cœur, il s'humilie devant Allah. Quand on parle de crainte d'Allah, on parle bien sûr de la crainte du cœur. Allah parle également de qasiyat Khulub, dans le même verset d'ailleurs, la sourate 57, verset 16, et il le développe en les mettant en cause ces gens dont le cœur est devenu dur et comme il y en a dans la communauté, des gens au cœur dur. Et Allah décrit dans la sourate al 2, verset 74 en particulier. Ensuite, après avoir révélé le livre aux gens du livre, et nous aussi, parce que c'est souvent pour nous que Allah parle du, des gens du livre, du, du livre, leur comportement après qu'Allah les a comblés de ses bienfaits dans la foi, les gens ont eu le cœur dur. Les cœurs se sont endurcis. Et Allah parle de ces gens-là, « Thumma » Et ensuite, les cœurs sont endurcis. Pire encore que les pierres, comme Allah l'a dit, parce que des pierres, parfois, Allah fait, fait jaillir de l'eau. Et il y a les pierres qui s'affaissent pour la crainte d'Allah. Comme il est dit d'ailleurs dans la surat 59 al-Hashra. Allah subhanahu wa taala après avoir appelé le jour du jugement de dernier, il dit subhanahu wa taala dans la sourate 59 il dit que si, لو هذا على جبل les pierres que vous voyez qui forment les montagnes si nous avions fait descendre ce coran dans sur les montagnes tu les aurais vus s'affaisser par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des pierres qui sont même qui sont soumises à Allah subhanahu comme tout lieu est soumis. Qui sont dans cette position de soumission et qui sont meilleures que ces cœurs qui sont endurcis. Des gens qui ont reçu la révélation comme beaucoup de musulmans et qui la mettent derrière leur dos. Qui la mettent derrière leur dos. Ça c'est les cœurs endurcis. Il y en a beaucoup dans la communauté. Ils ne peuvent même pas faire miséricorde. Comme l'a dit le prophète pour un homme. Le prophète, un jour meilleur qu'aujourd'hui, il y avait des enfants qui lui montaient dessus. Il était le plus aimé des gens, bien sûr, et il était le plus doux. Des enfants venaient monter sur lui et il les embrassait. Il y a un bédouin qui était là qui dit Mais tu embrasses Vous, vous embrassez, vous Il dit Et toi Il dit Non, j'en ai dix. J'ai dix enfants, je n'en ne, je en embrasse. Je n'ai pas embrassé un seul. Il a dit Comment tu veux que je mette la miséricorde là où Allah. L'a enlevé. Donc tout ceci fait partie des cœurs. Ah non, les hommes ne, ne pleurent pas. Ah bon Depuis quand Le prophète Salah, le meilleur des hommes, on l'a vu pleurer. Il pleurait au point que sa poitrine, on disait, que ce on disait comme une marmite, contenant de l'eau bouillante. Quand son fils Ibrahim est mort, il a pleuré. On lui dit Mais tu pleures toi Il dit Mais oui, mais. Ça c'est une miséricorde que Allah met dans les cœurs. Ibrahim, tu vas nous manquer. Le cœur est gros, les larmes coulent, mais on ne dit d'Allah que, que du bien. Ça, c'est le cœur qui est vivant, qui vit avec la révélation, qui vit avec la révélation. Ça, c'est le cœur qui est tendre. Allah décrit les cœurs qui euh, s'émerveillent des cœurs qui sont éblouis par la vérité. Allah dit dans la surat 8, à verset 2. Les croyants sont seulement ceux qui, quand Allah leur mentionnait, leur cœur se met à frémir. C'est comme si on les voyait frémir. Tu vois, de l'eau qui va commencer à bouillir, mais qui n'a pas, pas encore boue. Qui n'a pas encore bouilli et qui commence à faire des. La surface commence à changer et à frémir. Et Allah parle de cœur qui s'apaisent. Allah tatama'in al-qulub. N'est-ce pas que c'est le rappel d'Allah Par le rappel d'Allah, les cœurs s'apaisent. On la voit frémir. Après, on la voit s'apaiser. Comme Allah le dit, notamment dans. Parlant du Coran, dans la surah Az-Zumar, dans la surah 39, le cœur, le, La peau et le cœur frémissent à l'écoute du Coran. On a vu des gens pleurer alors qu'ils ne comprenaient pas le Coran. La peau se met à frémir, le cœur aussi. Ensuite, elle, le cœur s'apaise. Au rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah le dit, mm -hmm. Allah al N'est-ce pas que le cœur s'apaise Au rappel d'Allah. C'est pour cela que quand chitan te touche, rappelle-toi Allah. Voilà que les gens deviennent apaisés. Voilà que les gens reviennent à eux-mêmes et que Satan en s'enfuit. Donc le, le cœur a une vie. Et ce ne sont pas les seuls versets. Allah Subhanahu wa Ta'ala décrit si joliment les mouvements, la vie du cœur. Mais il y a un cœur qui est malade et donc le degré de la foi dépend de la maladie du cœur. Il n'est pas croyant, a dit le sallam, celui qui, au moment où il vole, il n'est pas croyant. Au moment où il fornique, il n'est pas croyant. Au moment où il ment, il n'est pas croyant. C'est-à-dire que la foi augmente, elle baisse, et en fonction donc de la maladie, en fonction du degré, en fonction de l'avancement de la maladie, très certainement, la personne donc va soit vers la rémission, grâce à Allah, soit alors vers l'aggravement, au point que le cœur devient mort. Et quelque chose qui est mort, disait Ibn Qayyim, comme une branche morte, ne, ne mérite que de servir de combustible du feu. Quand on va chercher des branches, on va chercher des brindilles parce qu'elles sont mortes. Pour en faire du feu, pour cuire les aliments ou pour se réchauffer. Il en est ainsi du cœur. Le cœur qui est mort, il devient sec et tellement dur qu'il ne sert pas à autre chose que servir de combustible au feu de l'enfer car nous en préserve. Donc ces cœurs tombent malade et en fonction donc de la gravité, de la maladie, ça peut conduire jusqu'à la mort, comme le corps. Il y a des remèdes, bien sûr. Le temps passe vite, il y a des remèdes. Les remèdes des maladies du corps sont connus, bien que le Coran soit, comme Allah dit, subhanahu wa entre autres, dans la surat Yunus, dans la surat 10, verset 57, Allah dit aux oh vous, les gens, nous avons fait descendre le Ma'ouïda, une exhortation. Un guide et une guérison de ce qu'il y a dans les poitrines, c'est-à-dire le cœur. Il dit également dans la SWAT Isra 17, verset 82, Il y a, nous faisons descendre dans le Coran ce qui contient Shifa, une guérison. Et un guide, une miséricorde pour les croyants. Pour les croyants. Pour les non-croyants, bien entendu, le médicament ne sert pas. Il y a dans le Coran, comme on le sait, une guérison pour le corps comme pour le cœur. Pour le corps, la preuve est connue. Le hadith de Abu Khudri, qu'Allah Lagré, il rapporte qu'ils étaient en expédition avec des compagnons du Prophète sallam. Ils sont passés par une tribu. Ils ont demandé l'hospitalité. Ils ont refusé. Et vous savez que les plus âgés parmi nous savent que les SDF n'existaient pas. Il y a seulement, en tout cas, une trentaine d'années. L'hospitalité était une valeur sûre de toutes les sociétés, musulmans ou pas. Ils ont refusé, ces gens ont refusé l'hospitalité. Donc il y a 15 siècles, là, on ne pouvait pas l'imaginer. Et voilà que Allah a éprouvé le chef de tribus et soit on dit euh, un scorpion, soit un serpent venimeux l'a piqué. Et ils ont cherché un médecin, ils n'en ont pas trouvé. Personne n'a pu le soigner. Et ils ont, par désespoir, ils ont dit, oh vous, de passage, les voyageurs, est-ce que vous avez quelqu'un, parmi vous, quelqu'un qui fait la Rokéa, c'est-à-dire qui traite, d'où le nom de la Rokéa. Il y a un parmi eux que Allah a inspiré, il a dit, oui, moi, mais je ne traiterai votre malade qu'à condition que vous me payiez après. D'où la légitimité pour certains, qu'on puisse payer la roquea, mais à condition que la personne guérisse. Et Allah est le seul guérisseur... Disait le prophète sallallahu sallam... Allahumma rabban nas... Idhab le bath... Anta Shafi, Oh Allah... Seigneur des gens... Enlève le mal... C'est toi le shafi'a... C'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala... C'est toi le guérisseur... La Shifa'ah, Et la Il n'y a pas de guérison sauf la tienne... Et donc... Il dit... Si... Je le traite... Et s'il guérit... Vous allez me donner... Des, des ovins ils ont dit oui d'accord et il a commencé à le croyant n'est certainement pas équivalent au non croyant depuis le début de la fatiha jusqu'à la fin les sept répétés, les sept versets et voilà que l'homme qui avait été piqué par le scorpion, par le serpent s'est retrouvé sans aucun mal comme s'il n'avait jamais été touché ça, c'est la force de la foi. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit par ce qu'il veut. C'est pour cela que c'est pas la peine d'aller chercher hein, des bons raquis. Il n'y a pas de raquis. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le seul guérisseur. Sa parole est vraie. crois à la, au Quran et utilise-le. Et Allah va te guérir. De tous les mots, s'il veut. Si tu te laisses malade, c'est pour ton bien. Et pour le cœur, Allah subhanahu affirme. Que le Coran contient de quoi donc guérir le cœur de ce qui est dans les poitrines. Et nous avons dit, avec les savants, que les maladies du cœur sont de deux sortes les choubouhats, les choses ambiguës, ou alors les. ce qui suivent les passions. Pour les choubouhats, Allah décrit la vérité. Allah te rappelle que. Qui est Allah Allah se décrit dans le Coran. Allah décrit ses actes pour que tu arrives à lui et pour que jamais, au grand jamais, tu ne tombes dans, dans les mains, dans les filets de shaitan en donnant à Allah un égal. Il est le seul digne d'adoration parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a créé tout ce qui existe, celui qui envoie l'eau du ciel, c'est lui qui sait absolument tout, c'est lui qui pourvoit tous les besoins, des plus petits jusqu'aux plus grands, de tout point de vue. Et donc, comment tu vas chercher protection auprès d'eux? Quelqu'un qui ne possède rien, comme le meilleur exemple, la meilleure parabole que Allah donne de ces gens-là, comme l'araignée, surat 29. Prendre comme protecteur autre que Allah, c'est comme l'araignée qui va prendre une toile d'araignée, qui ne va pas la protéger de rien du tout, ni du soleil, ni de la lune, ni, ni du soleil, ni du froid, ni du chaud. Donc ces choubouhad, Allah les enlève par la raison qu'Il t'a donnée. Si tu réfléchis un peu, est-ce que ton marabout, est-ce que ton cher est-ce que celui qui prétend être euh, le qui que ce soit, est-ce que l'ange Gabriel, est-ce que Jésus, est-ce que Mohammed, salam peut t'apporter quelque bien ou quelque mal Celui qui enseignait aux plus jeunes, si tu demandes, demande à Allah. Tu demandes protection, demande-la à Allah. Et donc, ces choubouhats sont traités de la meilleure façon, de la pédagogie parfaite par Allah subhanahu wa dans le Coran. Si tu lis le Coran, tu finiras par te convaincre que c'est vraiment toi qui es dans l'erreur. C'est toi qui es égaré. C'est pour cela que la connaissance est extrêmement importante. Quant aux shahawat, ce qui t'amène à courir derrière l'interdit, Allah ne dit pas, ne forniquez pas, Allah dit, voilà, wala ta karabouzina, ne vous rapprochez pas de la fornication. Il ne dit pas, ne forniquez pas. C'est que tout ce qui peut rapprocher, surtout en été, baisse les yeux, sois chaste. Tout ce qui va t'amener à avoir ces idées obscènes, ou les films, ou les, 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 les tout ce qui va t'amener, qui va t'attirer, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala Parce qu'il n'a Interdit que ce qui est mauvais Que tu le saches ou que tu ne le saches pas Quand tu es jeune, tu es plus tenté Mais quand tu vas avoir un certain âge Tu verras que ceci ne t'a servi à rien Au contraire Au contraire Il n'appartient ni aux croyants Ni à la croyante Une fois que Allah a décrété une chose Qu'ils aient le choix sur la 33, verset 36. Et donc c'est ce qui va t'amener. Et Allah te parle de l'enfer comme si tu y étais, qu'Allah nous en préserve. Allah te parle de paradis, qu création, qu'aucune créature, qu'aucune. Qu'aucun n'en a vu, aucune n'aurait entendu parler. Dans l'imagination n'est même pas passé dans l'esprit de qui que ce soit pour t'amener à patienter devant ces... Tentation, ce ne sont que les tentations, c'est toi, n'est-ce pas, fils d'Adam, fille d'Adam, qui a voulu être libre, alors tu seras éprouvé. En fonction de l'épreuve, tu iras soit au paradis, soit en fonction de l'épreuve de ton attitude devant l'épreuve, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, en fonction de cela, tu iras soit au paradis, soit en enfer. Donc patiente. Tu as patienté, n'est-ce pas, pendant un mois, en jeûnant tous les jours Allah t'a tout permis sauf le manger et le boire. Là, Allah te permet si tu as des envies physiologiques, si tu as envie de ceci et cela, Allah te permet de manger et de boire en dehors de cela. Allah te permet d'aller, de te marier. Allah te permet de satisfaire tes besoins homme ou femme. Allah n'a pas interdit une chose s'il n'a pas ouvert, s'il n'a pas permis, mille autres. Mais c'est Satan qui veut nous amener en enfer avec lui. La source, le remède de toutes les maladies, du corps comme du cœur. Si Allah a permis aux médecins, aux grands spécialistes de découvrir ce qu'il a permis de découvrir, ce qu'il a créé, les maladies du cœur, ce ne sont pas les psychiatres ni les psychologues qui vont apporter la solution. La solution est dans le Coran. Allah te met en garde, Allah t'incite à vouloir mieux, à t'élever, à patienter, parce qu'il mettra le baume dans ton cœur. Il va mettre de la lumière dans ton cœur et il va te préserver des angoisses, du stress, de tout ce que les gens vivent aujourd'hui. Il va t'en préserver ici-bas, avant le-delà pour te récompenser par le meilleur. Tout ce qui est choubuhat, valeur, est les gens qui cherchent du pouvoir, les gens qui cherchent la notoriété, ne vois-tu pas que les trois premiers combustibles de l'enfer, toi qui veux faire les choses pour autre que Allah, les trois premiers combustibles de l'enfer, quelqu'un qui a pris le Coran par cœur pour que les gens disent... Il connaît le Coran, quelqu'un qui a donné sa vie dans une guerre prétendument pour Allah, alors qu'il le faisait pour qu'on dise de lui qu'il était brave, quelqu'un qui a dépensé ce qu'Allah lui a prêté, et Allah est le seul riche, pour qu'on dise voilà un généreux. Alors pourquoi tu vas être là Pourquoi tu vas exposer Pourquoi tu vas vouloir plaire aux gens en déplaisant Allah Ne sais-tu pas qu'Allah voit et donc voilà, la, voilà le remède et le seul remède des maladies du cœur. Et si Allah le permet, il est déjà pratiquement l'heure, si Allah le permet, donc on va essayer de détailler quelques uns de ces maladies, quelques unes de ces maladies et les remèdes que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager nous ont apportés en cette matière là. Une question, est-ce que l'orgueil est l'un des grands signes des maladies du cœur C'est ce qu'on va traiter peut-être en premier, ou en tout cas, peut-être en premier, mardi prochain, c'est effectivement ce qui a amené Satan en enfer que Dieu nous en préserve. Et Allah a dit, le Prophète Sallallahu il a révélé au Prophète Sallallahu de dire ne rentrera pas au paradis celui qui a un tant soit peu d'orgueil dans le cœur. Et donc on développera le place Peut-être la première maladie, l'une des plus grandes maladies, cause de l'association du coffre, de la mécréance, de, 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 de combien de maladies qui amènent les personnes en enfer pour l'éternité, c'est dû à l'orgueil. Mais ça on en parle la Comment reconnaître les grands signes des maladies du cœur Comment savoir si le cœur est mort Le cœur est mort, il ne, ne perçoit même pas la vérité. Le cœur est mort quand, comme on a dit, la la troisième catégorie de maladie qui amène, qui amène la mort du cœur, c'est le fait que le cœur ne perçoit même pas ni odeur, ni couleur de la vérité, qu'il n'a même pas envie de connaître la vérité. Néanmoins, c'est comme ça. La vérité, il la voit, pas qu'il l'accepte et il le cache. Non, la vérité n'en veut même pas. Le bien devient du mal pour lui. Le mal devient le bien pour lui. Les ennemis d'Allah sont ses amis. Les amis d'Allah sont ses ennemis. Là, le cœur, il est mort. Complètement moi. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie le cœur. Donc ces maladies du cœur, si Allah le veut, on va les traiter selon ce qu'Allah a enseigné donc, aux savants. Qu'Allah les bénisse tous. Et surtout, surtout, ce n'est pas pour être plus savant. Parce qu'il y a toujours plus savant. C'est surtout pour les appliquer à nous-mêmes. Pas pour juger. Toi, tu as le cœur malade. Mais toi qui le dis, peut-être que ton cœur est encore plus malade. Nous sommes là, grâce à Allah, qui nous éduque pour... Notre propre bien. Il ne s'agit pas de juge son mari ou sa femme ou son voisin. Celui-là, il, il est malade du cœur. Pourquoi tu te mets à médire Pourquoi tu te mets à calomnier C'est bien parce que dans ton cœur, il y a une maladie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guérisse de toutes les maladies, notamment celles du cœur, qui amènent, si elles ne sont pas guéries, à la perte, la vraie perte. C'est-à-dire un cœur mort qui ne peut servir que le combustible de l'enfer qu'allons-en préserver, et qui va avoir beaucoup de douleurs dans ce monde, qui ne, un cœur malade ne peut pas être heureux, et c'est ce qui justifie entre autres nos malheurs, entre guillemets, ou notre peu le peu de bonheur que certains connaissent, Alhamdulillah c'est Allah qui purifie, on lui demande de purifier nos cœurs et de les guérir, parce que nous sommes tous malades, sauf celui que Allah a guérit subhanahu wa ta'ala, et le meilleur cœur c'est celui du prophète Muhammad, sallallam. ensuite de ses frères et des gens, des compagnons de Muhammad sallallahu alaihi wa qui avaient un cœur tel que un cœur vivant. Ils reconnaissaient leurs fautes et on a vu au travers du repentir en particulier comment des gens ont donné leur vie parce que leur cœur était pur. Leur cœur était purifié, le, les maladies Allah les a guéris et ils ont donné leur vie à Allah Subhanahu wa Taala et qu'Allah les agrée tous. Qu'il bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Notre prochain rendez-vous sera allah, sur le dernier épisode de la Hijra, donc de l'exode ou de l'égire, à savoir quel est le chemin de l'Egypte vers Allah. وسميسجي. كالسون لبروفيزيون. وكال كومبانيون فاضلتيل شوزيون. كالله سبحانه وتعالى سوى نوتر سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة، أما يصفون والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.